Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ma routine ménage lorsque je reçois des invités. Tout d'abord, je commence par mettre les tabourets sur le comptoir, le plan de travail comme vous voulez, ou les chaises sur la table au niveau de la salle à manger. Les pieds de tabouret sont en chrome et c'est un vrai nid à poussière, ça attrape tout. Que ce soit la poussière ou les poils à Lucky, comme ils sont blancs, c'est les premières choses que l'on voit lorsque l'on arrive dans la cuisine. Du moins, moi, ça me saute aux yeux. Du coup, un bon coup de dépoussiérage et de nettoyage avec du produit à vitre. Ensuite, avec un microfibre, je prends le nettoyant assainissant qui vient de chez Lidl et je vais passer un coup partout où les gens pourraient mettre leurs mains. Je vais essayer de désinfecter un maximum parce que même si je reçois du monde, on n'oublie pas qu'il y a le Covid. Là, c'était de la famille très proche et nous sommes tous vaccinés. Mais par précaution, je préfère quand même nettoyer tout ce qui est poignée de porte et interrupteur pour éviter un maximum d'attraper quelque chose. J'en profite de tout de suite faire mon sol, comme ça je serai débarrassée, je suis sûre qu'il sera fait, sachant que je n'ai pas de grande cuisine à faire. Du coup, je me munis de mon balai vapeur aspirateur qui vient de chez Roventa, c'est un 2-en-1. En un coup de passage, il aspire et il nettoie. Généralement, je nettoie mon sol qu'après avoir cuisiné, mais au menu ce jour-là, nous avons mangé en entrée du melon avec du jambon de pays, nous avons fait des frites ainsi que de la viande au barbecue, du fromage et des glaces Vienneta en dessert, ce qui fait que je n'avais aucune cuisine à faire et donc aucun risque de tacher ou de salir mon sol juste après avoir cuisiné. Je vais ensuite ranger tout ce qui traîne au niveau de l'évier, je vais nettoyer mes plans de travail et je vais également vider mon lave-vaisselle. C'est très important d'avoir un lave-vaisselle vide juste avant un repas puisque comme ça lorsque vous allez débarrasser le soir ou le midi, ça dépend quand est-ce que vous recevez, vous pouvez directement mettre la vaisselle sale dans le lave-vaisselle. Pour ceux qui n'ont pas de lave-vaisselle, pensez à bien avoir votre évier vide. Ça évitera les montagnes de vaisselle qui traînent un petit peu partout au bord de l'évier. Je lave toujours le dessus de canapé ainsi que le plaid avant que nos invités viennent puisque Lucky a libre accès au canapé mais comme elle perd beaucoup ses poils, elle en met partout. Donc voilà, j'aime pas spécialement que mes invités repartent avec des poils de chien sur eux, donc là c'était obligatoire. En plus, je recevais en même temps mon petit neveu qui a 6 mois, donc s'il avait dû aller sur le canapé, je ne voulais pas qu'il soit embêté par les poils de chien ou bien même qu'il en avale par mégarde. Une fois que tout ça est fait, que mon sol est bien sec, je peux descendre toutes mes chaises et mes tabourets sur le sol. Je vais maintenant pouvoir faire la table, dresser la table. Donc je sors une rallonge et je vais aller chercher une nappe en tissu. Celle-ci était légèrement trop courte. Du coup, j'ai essayé avec une autre qui allait parfaitement. Donc j'ai pu échanger au niveau des nappes. Ce sont des nappes en tissu. Celle-ci vient de chez Stokomani et la bleue, je l'ai achetée sur un marché lorsque nous sommes allés en week-end sur la Palmyre.
Je sors ensuite ma vaisselle de mon vaisselier. Celle-ci, c'est celle qui sert que quand nous recevons du monde. Donc du coup, elle était déjà propre. J'ai pas eu de vaisselle à refaire. Je mets des petites serviettes qui viennent de chez Action. Je sors les verres pour les occasions, on va dire. Ça, c'est des verres qu'on se sert que quand on reçoit. Par contre, les verres, ils prennent quand même beaucoup la poussière. Du coup, je vais aller les renettoyer et je n'aurai juste à les essuyer puis à les mettre sur la table par la suite. Comme je vous ai dit un tout petit peu plus tôt, il faut absolument débarrasser le lave-vaisselle. Nous avons fait exprès de le faire tourner ce midi pour que toute la vaisselle soit vraiment propre pour ce soir. Ensuite, écoutez, j'ai pris des couverts. Ceux-ci viennent de chez Action. Là, il y avait le petit panier du lave-vaisselle qui n'était pas... comme en fait le lave-vaisselle était tout juste sorti, les couverts étaient encore un petit peu humides, du coup j'ai tout essuyé pour être sûr de ne pas avoir un couvert mouillé sur la table. Et maintenant, je peux aller tout disposer directement au niveau de la salle à manger. J'ai fait une table très très simple. Pas de chichi, c'était un repas juste comme ça, il n'y avait pas d'occasion particulière. Et on n'aime pas trop faire des chichis à la maison, sauf quand c'est Noël, j'aime bien faire une belle table. Mais là, je ne me prends pas la tête. Vous me direz que les serviettes ne sont absolument pas du tout accordées avec la couleur de la nappe, mais c'est pas grave. Qui dit repas dit bonne odeur dans la maison et aujourd'hui ça tombe bien puisque j'ai reçu la box mensuelle de chez Pousse Pousse. Je ne sais pas si vous connaissez, si ce n'est pas le cas je vous mettrai le lien en barre d'informations. Vous pouvez recevoir chaque mois une box écologique qui vous aide à changer un petit peu votre mode de vie. Et la box de juin c'était pour créer nous-mêmes un petit diffuseur de parfum avec une senteur pour l'été très très agréable. Vous aviez également un petit sachet avec des graines de lavande séchées et deux petits sachets en tissu pour pouvoir créer vos petits sachets. Vous savez qu'on peut le mettre dans la maison, dans les armoires. Voilà, moi j'ai décidé de les mettre dans la cuisine et le petit diffuseur était sur le buffet juste à côté de la table, la salle à manger. Et du coup, c'était vraiment très sympathique quand nous avons dîner, on pouvait sentir cette petite odeur de parfum frais, c'était vraiment super. Et voilà, mon petit ménage est maintenant terminé. Je n'ai plus qu'à attendre mes invités. Tout est prêt, tout est propre. Et je sens qu'on va passer une très bonne soirée. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.